Salut tout le monde, salut, bienvenue à tous, bonsoir à tous, j'espère que vous êtes en forme pour ce Yako Pump. Aujourd'hui avec moi Antoine, donc Orange Bleu Lavance. Aujourd'hui c'est Tom qui va faire le cours, moi je serai juste là pour l'épauler. Je suis en shadow avec les options faciles, donc bouteille d'eau, chaise et pack d'eau. Exactement. Je le rappelle pour ceux qui découvrent peut-être, le Yako Pump c'est un cours de renforcement qui va venir cibler plusieurs parties du corps. On aura avec moi l'option barre, d'accord, barre, poids classique et step. Et comme l'a dit Antoine, lui sera option avec chaise et pack d'eau, voire bouteille d'eau. Donc si jamais on regarde en replay, mettez pause, préparez-vous. Pour ceux qui sont en live, prenez place, on va pouvoir commencer. N'hésitez pas surtout à partager avec vos amis, le revisionner, pourquoi pas. On se met en place, on prépare sa barre. Au niveau de la charge, pour ceux qui ont la barre, on va partir sur une charge environ de 5 kg de chaque côté, entre 3 et 5 kg. Pour ce qui est d'Antoine, il partira sur deux bouteilles d'eau de 1,5 litre. Très bien. On est parti. On attrape sa barre, toujours attention au dos. On est prêt. On part en deux temps, tirage menton. 1 et 2, encore. Soufflez sur la montée, inspirez quand vous descendez. Ici, la barre doit longer le corps et lever bien vos coudes. Encore. 1, 2. On part sur des moitiés inférieures, moitié supérieure, pardon. Montez en deux temps, on combine. 1, 2, soufflez, les genoux sont légèrement fléchis. Moitié supérieure ici. Très bien, encore une fois. Ici, vous allez épauler la barre. On épaule, on bloque et on relâche doucement. Ici, avec Antoine, vous avez vu l'option avec la bouteille d'eau. Marquez un petit temps d'arrêt. Ici, poussez légèrement vos hanches vers l'avant. Dernière fois. Ici, moitié supérieure, haut, moitié, et un épaulé. Bloquez, levez vos coudes et redescendez. Très bien. Gardez ce mouvement ici une dernière fois. Poussez vos hanches épaulées. Gardez la barre en haut. On est parti sur des squats. Deux singles. Un deuxième. Et on descend en deux temps. 1, 2, 1. On reprend. Pensez à bien inspirer le nombril. Restez bien droit. Levez vos coudes. On repart ici, épaulé. Bloc. Et relâche. Vous avez vu ici? Petit temps d'arrêt, ça permet de bien ajuster ses coudes. Ici. On lève les coudes un maximum. Hein. La barre est sur les épaules. Ok, ici. Moitié supérieur tirage menton. Rappelez-vous les coudes au-dessus de la barre, un épaulé. Très bien. Et on redescend encore. La barre doit pratiquement lever le t-shirt. Hein. Un épaulé. Gardez votre barre en haut. On part sur les squats en single. On y va. On descend en deux temps. 1, 2. Vous avez vu les coudes ici? Il faut le garder bien levé. Hein. C'est important de façon à avoir la barre posée sur les épaules. Allez tout le monde, on garde ça encore un petit peu. Deux singles ici. Inspirez sur la descente. Et soufflez sur la montée. Dernière fois. Très bien. Deux temps. 1, 2. Ici, hop, on attrape la barre, on développe au-dessus de la tête. On passe derrière. On va partir en fente, jambe gauche. Deux temps, on y va. 1, 2. Et on ramène. Squat en deux temps. Tout se passe en deux temps ici. Poussez vos genoux vers l'extérieur. On change de jambe sur la fente. Et on ramène. Deux temps. Allez, on repart exactement sur la même chose. Et on ramène. Squat deux temps. On inspire. Et on souffle. On garde ça. Avec Antoine de profil. On pousse dans la jambe avant pour remonter. Très bien. Ici, saccadez les squats. On saccade lentement. Saccade. Et on remonte. Encore, marquez un beau temps d'arrêt. Bloqué. Parallèle au sol. Boum. Milieu. On garde ce même mouvement en l'accélérant. Milieu. Bas. Milieu. En haut. Très bien. Vous avez vu que ça commence un petit peu à brûler au niveau des jambes. C'est normal. On commence à bien réchauffer le corps. Faites attention, les coudes sont alignés à la barre. Ici, avec votre jambe gauche, que des tapes. Tape. Tape. Ici, le poids du corps est légèrement penché vers l'avant. Les coudes sont toujours sous la barre. Changez de jambe. Tape. Tape. Jambe d'appui légèrement fléchie. On aspire le nombril. Et on rechange. Tape. Tape. Vous avez vu ici le buste, comme Antoine, hein, légèrement fléchi. Rien ne bouge à part le pied. Changez. Dernier ici. 4, 3, 2, et on relâche. Hop, la barre passe devant. On n'a pas fini pour l'échauffement.
Partie dos. On est prêt. Descente, tirage. On y va. Bas, tirer, relâcher, relever. Descente, levée en deux temps. On combine les deux mouvements. Descente, tirage en single. Les coups le long du corps avec Antoine. Poussez les hanches en arrière. Le regard vers le sol. Encore. Bas, tirer, relâcher, redresser. Deux temps. Et on garde ça. Les omoplates sont fixées. Hein. On relâche pas le dos, c'est super important. Les omoplates serrées. On descend pour 3 tirages en bas. 3. 2. Ici, ce qui est important, c'est de tirer les épaules vers l'arrière avant de tirer, d'accord? Serrez vos omoplates. Boum. On serre un maximum la barre, longe les cuisses. On part sur 7 tirages en bas. 7. Allez, les amis, hein. On termine l'échauffement sur ça. Le buste est penché vers l'avant. Les genoux légèrement fléchis. On a une belle posture. Plus que 2. On redresse. Triple biceps curl. 3 petits pulses. Et on reprend. 3, 2. Les coudes sont serrés au corps. On n'hésite pas à resserrer un petit peu sa prise de barre pour serrer les coudes. 3, 2, 1. La lunette. La lunette. Ils sont beaux. C'est toi la plus belle. Pas 3, 2, 1, dernière fois. Et on relâche doucement. Ici, on fléchit les jambes, dos bien droit. Hop, on pose la barre. Pour l'échauffement, on est bon. On va directement. Voilà. Enchaîner avec les jambes. Ok, au niveau de la charge, qu'on va faire? Vous allez doubler minimum. Doubler minimum la charge. Pour ceux qui sont avec Antoine, un pack d'eau. Ok, sur la nuque ou sur les épaules. Ceux qui sont avec moi pour là-bas, on double la charge. Ok. Et on se mettra en place pour les squats. Antoine est déjà prêt, il est chaud. Il est chaud, pas très. Heureusement que c'est de l'eau, sinon il aurait déjà tout bu. Ah, j'aurais déjà tout bu. Si vous voulez du rhum, qui en veut. Dites-le en commentaire qui veut du rhum, c'est maintenant. Allez. Inès, elle va mettre directement oui. On sait déjà qu'elle a dit oui. Allez, on attrape sa charge, rappelez-vous, dos droit, on descend, hop, on épaule. On place la barre derrière la nuque. Serrez vos omoplates, placez vos coudes, regardez ici. Hop, là je les ai en arrière. Hop, et je les fixe sous la barre. Ok, ça, ça bougera pas jusqu'à la fin. Ici, on va descendre en squat saccadé. Bas, comme à l'échauffement finalement, en rapide. Bas, descendez. On va garder ce base de mouvement, le même mouvement du squat qui sera avec des tempos différents. 4 petits rebonds en bas qui sont lents. 3, 2, soufflez, remontez. On reprend la même chose. 4, le nombril est aspiré, les omoplates serrées, ça ne doit pas bouger. On va garder ça, 3 petits rebonds cette fois-ci. Le dernier rebond, on va le remplacer par 2 petits pulses. On accélère pour 2 pulses. 1. Je vais ici du coup là, transition est rapide. 2. Un de petits pulses. Vous allez descendre rapidement, bloquer et remonter rapidement. Bloquer, remonter en deux temps. Encore 2 fois. Avec Antoine, prise de pack devant. On y va pour le refrain. 3 singles. Inspire, soufflez. Le regard loin devant. Restez en bas, saccadé, boum. Boum, montez, on repart d'en bas cette fois-ci. Restez en bas, remontez en saccadé. Et on reprend single. Notre frein, c'est ça. 3 singles à saccadé. Restez en haut, saccadé. On repart d'en bas. Boum. Soufflez, montez. Restez en bas. Et on relâche un petit peu. Quand même. C'est mon enfant. On est prêt? 4 bons en bas. Go, 4, 3, 2, on remonte et on repart. On doit sentir les jambes qui brûlent, exactement. C'est normal, directement, gros travail. Grosse tension au niveau des cuisses. 3, 2, 2 petits pulses avec moi. On reprend, 3, vous devez sentir que ça brûle hein, chez vous. 2 petits pulses. Ok, reprenez bloqué en bas. Soufflez, montez tout doucement. Là, les cuisses sont en feu. Hein.
Vous devez commencer à grimacer chez vous normalement. Bloquer, remonter tout doucement. Encore une fois. On y va pour le combo du refrain. 3 singles. Souffle et menteur. Contrôlez votre charge ici, on se laisse pas emporter. Saccade. Boum. Boum. Poussez. On repart du sol. On reste en bas. Saccade. Ah, encore. 3 singles ici. Ouh. Commence à faire chaud, hein. Je suis pas chez vous. On repart en bas. Soufflez, montez. Restez en bas, saccadez. Et on relâche. Dernier, troisième tour. Ça va Antoine? Allô? On y va. 4 en bas. 4. 3. 2. 1. Et on repart. Allez, dernier tour les amis, on essaie de ne pas abandonner. On essaie de maintenir même si ça brûle. On réduit l'amplitude. On lâche pas. 3. 2 de petits pulses. Encore. Aïe 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 aïe. Ça brûle hein. Ah oui oui. Bloquez en bas. Bloc. Soufflez, montez tout doucement. Encore. Bloc. Avec moi encore pour deux. Une dernière. On est prêt pour la suite. Le combo du refrain. 3 singles. Boum. On part sur un saccadé pour descendre. Et on reprend. Vous connaissez le combo. Boum. Restez en bas. Et encore. Allez, on a bientôt fini. Allez les amis. Lâchez pas, on est avec vous. On repart d'en bas. Boum. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas fini. Ouh, restez en bas. Petite récup. Secouez légèrement les jambes. On repart une dernière fois. Les 3 singles. Bas et haut. On termine sur ça les amis. Descendez en saccadé. Repartez d'en bas. Boum. C'est le petit finisher ça. Qui fait toujours plaisir. Restez en bas. Allez, encore deux fois. On maintient. Soufflez quand vous montez. Restez en haut. Boum. Et on reprend. C'est la fin là. On reste en bas saccadé. Et on relâche. Aïe 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 aïe. Attention la barre ici. Hop. Et on repose. Mettez-le dans votre salon. Comme ça. On relâche un petit peu les jambes. Ça va Antoine? On passe à la suite. On aura besoin d'un step ou bien d'une chaise avec Antoine. Ici au niveau de la charge, on va rester sur la même, d'accord? Avec Antoine, ce sera un pack d'eau en prise serrée. On voit un petit coup rapide, les jambes utilisent beaucoup d'énergie. Et on est parti. Pour celle-ci, attrapez simplement deux poids de 2 kg. Ok, on aura besoin pour le début. Placez votre barre devant le step, comme moi. Hop là. Une fois qu'on est bon, on s'assoit, exactement. Ici, on aura plusieurs options de travail avec moi et Antoine. Je vais me rapprocher légèrement ici, hop là. Au bord du step, on croise les jambes, 8 élévations en single. Pensez à bien lever vos coudes sur les côtés. Là, avec moi ou Antoine, c'est pareil. Hein. Vous avez vu, que ce soit des bouteilles ou des poids, on a la même base. Ici, on va en deux temps, rajouter une rotation externe. 1 et 2. Lors de la rotation, vous allez serrer vos omoplates. Encore. Levez, engagez vos omoplates, étirez les pecs. On garde le même enchaînement en single. En accéléré simplement. Vous avez vu ici mes coudes, ils sont fixés. Et ils ne bougent plus hein, quand on fait la rotation. Encore. Restez ici, horizontalement, poussez, ramenez. Ce qui va m'intéresser principalement ici, c'est de serrer les omoplates. Vous devez sentir que les pecs sont engagés. On garde ça. Un dernier. Hop, on se met en place avec Antoine en pompe. Ou bien avec moi pour le développer couché. En prise large. On y va pour les singles. En bas, en haut.
Ici, on doit serrer le ventre. Absorber le nombril. La trajectoire de la barre est verticale. Inspire et souffle. Allez, gardez ça les amis. Encore. Trajectoire de barre verticale. Hop, avec Antoine pour les pompes. Quelques petites consignes ici. Alignement, tête, épaule, hanche, pied. D'accord. Option de travail sur genoux. Ralentissez deux temps. 1, 2, 1 et 2. Ici, le développé couché avec nous. 3 petits pulses en bas. 3, 2, 1 et on repousse. On va chercher 3 petits pics de contraction en bas et on remonte. Serrez les omoplates. Encore, encore. Allez, nous reste encore 4 fois ça. Allez tout le monde, allez les amis. On maintient ça jusqu'à la fin. Vous avez vu la trajectoire de la barre? Au niveau des pectoraux. Hein. Soufflez. Dernière. 3, 2, 1. Et on ramène les genoux. On pose la barre. Deuxième tour. On est chaud là. Il fait chaud. Ah oui, les pompes sont horribles. On y va. Élévation en deux temps. 1. Rotation externe. Vous avez vu ici, normalement, au niveau des pectoraux, ça tire un peu plus. Hein. Vous devez sentir ce léger étirement. Si jamais ça devient trop dur avec des bouteilles ou des poids, on peut y aller sans. Hein. Regardez ici, en single. On peut très bien faire le même travail avec les mains. Ce qui m'importe ici, c'est quoi? C'est que vous serriez les omoplates. On vient chercher à quand même étirer les pecs. Restez en haut. Pousse, ramène. Vous devez serrer vos omoplates un maximum afin d'engager principalement que les pectoraux. Soufflez, ramenez. Soufflez, encore deux comme ça. Un dernier. On relâche. On attrape sa barre ou en position de pompe avec Antoine. On y va. On est en place, nombril aspiré, single. En bas, en haut. Trajectoire de barre verticale. Et on maintient ça. Jusqu'à la fin ici. Si vous commencez à sentir les épaules, c'est que vous n'avez pas assez serré les omoplates. Ok, donc vous serrez un maximum les omoplates. En bas, en haut. Si on fait ça, on engage l'épaule. C'est pas ce qu'on cherche. Avec Antoine ici, il aspire bien le nombril et serre les fessiers. Si jamais c'est trop dur, on rapproche les genoux. On va ralentir en deux temps les amis. Deux temps. 1, 2, 1 et 2. Dernière fois ici. Allez, on y va, 3 petits pulses en bas. 3, 2, 1, on repousse. Là, ça doit commencer à sévèrement piquer, les amis. Hein. Vous devez le sentir, Antoine. Oui. Tu peux en témoigner. Vous ne l'entendez pas, mais il dit oui. Allez, encore 4 fois ça, les amis. 4, 3, 2, et on repousse. Allez, allez, on lâche pas jusqu'à la fin. Encore 2, 3, 2, 1, dernière. On ramène les genoux et on pose la barre au sol. Et on est bon pour les pecs. Il fait chaud. Ça congestionne bien normalement. Vous devez sentir que ça brûle. On fait de la place, hop. Avec Antoine qui va prendre les packs d'eau. Antoine aura besoin pour cette chanson des packs d'eau, d'accord? Pour ceux qui sont en option avec Antoine. Vous allez commencer avec vos packs d'eau, ensuite quand il changera sur les bouteilles, vous changez avec lui, vous faites tout comme lui, ok? Simplement, petite explication technique avant de commencer cette chanson. On aura un nouveau petit mouvement, ou ancien, d'accord? Qui va consister à faire des tirages lourds. Qu'est-ce qu'un tirage lourd ici? Ça va être de fléchir le buste, ok? Pousser les hanches en arrière. Vous allez monter, pousser les hanches, monter sur la pointe des pieds. Vous avez vu ici? Je monte sur la pointe de pied et je serre les coudes vers l'arrière et vers le haut. Ça marche? Quand je vous dirai 3 tirages lourds, c'est ça. 3, 2, ça marche? Au niveau de la charge, on garde la même. C'est lourd, d'accord? Vous devez bien sentir le travail normalement avec ces barres. Antoine est prêt, je suis prêt. On est bon en régie. On est parti. Attrapez votre barre ici. Crochetez vos pouces. On va réduire la tension au niveau des avant-bras. On est prêt pour commencer, descend tirage en single. Bas, tirer, ramener, relever. On commence simple.
comme à l'échauffement. Poussez vos hanches en arrière, comme si on fermait un petit tiroir. Très bien. 3 tirages en partie basse. 3. Serrez bien vos omoplates quand vous tirez. D'accord? Encore. Ici, je ne vais pas voir ça. Hein. C'est vraiment une ouverture. Boum, on ouvre la cage thoracique. On part en descente les deux en deux temps. Descendez la barre le long des cuisses et redressez. Serrez vos omoplates. Je regarde plus le mouvement. Fléchissez les jambes dans les genoux. Très bien. Antoine passe sur les bouteilles. Épaules rapides. Épaules, ramène. Passez bien vos coudes ici. Fléchissez un peu. Poussez-moi. Encore. La transition de la barre. Ici, longe le corps. Encore. Regardez ça. Poum. On garde. Vous devez bien allonger la cuisse et le corps. Encore. Quatre. Descendre le bien en deux temps. Un. Deux. On attend un petit peu. Quatre. Trois. Descendre le bien. On descend en deux temps. Et on redresse. Très bien. Poussez vos hanches. Allez, on garde ça encore deux fois. On inspire. On souffle. Dernière fois ici. Rappelez-vous le tirage lourd. On part sur 3 tirages lourds. 3. Montez bien sur vos pointes de pied. Boum. La barre doit monter toute seule. Ici, un épaulé rapide. Et on reprend. 3. Les coudes doivent rester vraiment au-dessus de la barre. Et on épaule. Encore. 3. 2. On épaule. Encore. Boum. Soufflez quand vous montez. Encore. Boum. On épaule. Et on ramène. On peut récupérer un petit peu au niveau des avant-bras. Soufflez un petit coup. On va faire ça va. Antoine, les poids. Les packs d'eau. Descend tirage single. On reprend le même bloc de travail. Deux fois. On tire. Les coudes sont serrés. On est bien avec Antoine. On n'écarte pas les coudes quand on tire. Triple tirage en bas. 3. 2. 1. Regardez avec Antoine de profil. Que ça soit bas ou pas de dos ici. Un bel alignement. Un dos bien droit. Et serre les omoplates. Descente levée en deux temps. 1. 2. 1. Et 2. Poussez vos hanches. En arrière. Regardez ici, le regard sur le mouvement. Dernière fois. On va partir sur les épaules rapides. On y va. Ici, ce qui est important, c'est de passer les coudes entièrement. Passage de coudes rapide. Boum. La barre doit reposer sur les épaules. Ok. Je dois pratiquement pouvoir la lâcher. Si je lâche la barre. Boum. Encore. Boum. Montez un peu sur les pointes de pied. Et on garde ça. Descente levée en deux temps. 1. 2. Antoine repasse avec les packs d'eau. Poussez les hanches en arrière. Serrez les omoplates. Allez, gardez ça. Ok. Il nous en reste encore deux. Vous pouvez commencer à sentir vos lombaires. Ça chauffe. Le dos est chaud. Dernière phase ici. Les 3 tirages lourds. Boum. Baissez un peu le buste. Poussez les hanches en avant. Serrez les fesses. Un épaulé rapide. Restez en tirage lourd avec Antoine. L'option de travail ici, c'est des shrugs. Juste des shrugs. Et on épaule. Regardez ici l'option. Vous le tirez lourd. On peut simplement faire des shrugs. Ou avec nous des tirages lourds. On épaule. Dernière fois. Boum. 2. Un dernier. On épaule. Et on relâche. Et on pose la barre. Il fait chaud. Que calor. La barre, on n'en a plus besoin. On va pouvoir la décaler sur le côté. Vous avez vu ici, hein, faut pas semblant. J'espère que vous aussi, vous avez cette petite marque. Moi j'ai un déo acheté chez Leclerc, anti-transpirant. Qui passe mon produit. Non sponsorisé. Toute information,
Prochaine chanson. Et dernière, les fentes. Ok. Les fentes, je veux dire les jambes, les fessiers. On se met en place avec Antoine, tout poids de corps. En mode disco un petit peu. On est chaud. On se met en place. J'espère que ça se passe bien chez vous pour l'instant. Hein. Qu'il fait un petit peu chaud. Pied largeur d'épaule. Ici sur les fentes, attention. On garde un écartement. On va pas venir croiser la jambe pour aligner. On est bon. On va commencer par des fentes alternées. On y va, jambe gauche, fente et on ramène. Simplement des fentes alternées. On se chauffe tranquillement les jambes. Même si elles sont déjà bien échauffées. Hein. Au cas où. On se fait un petit coup. Cette fois-ci, vous restez sur la jambe gauche. Deux fentes et quatre tapes. Quatre. Comme à l'échauffement ici, le buste penché en avant. Les fentes, elles, par contre, on est droit. Hein. Deux, les mains sur les hanches. Quatre. Trois. Deux. Les fentes. Le regard loin devant. Nombril aspiré. Les quatre tapes. On n'a rien vu. Je rajoute. J'ai envie d'avoir des belles fesses. Les quatre tapes. Cette fois-ci, on va faire que des tapes. Tape. Tape. Le regard légèrement vers le bas. Un dos bien droit. On aspire votre nombril. Vous devez commencer à sentir l'engagement au niveau du fessier. 4, 3, refrain, une fente et deux tapes. Alors ça peut vous rassurer, on l'a que 16 fois. 16, ça va. Fente, tape. Ça doit commencer à brûler. Hein. Alors Antoine, ça va. Tape, tape. Ici, ce qui est important, c'est d'appuyer sur la jambe qui est devant. Pour remonter un maximum. Ok, quand on descend, le genou reste bien droit. Et on pousse dans la jambe pour remonter. Gardez. Tap. Un peu d'équilibre aussi. On peut rajouter un petit peu. Des petits mouvements. Si on se sent. Tap. Encore. Allez, gardez ça les amis. On maintient, ça doit bien brûler dans vos fessiers, c'est normal. On maintient le rythme, même si c'est dur. 4, 3, 2, et on relâche. Aïe, aïe, aïe. Ça doit chauffer. Rassurez-vous, ne faites pas ça, ça ne sert à rien. La fente, avec moi. 4 tapes. 4, 3, 2, on reprend. 2 fentes ici, le buste bien droit. Penchez le buste en avant et tapez. On redresse. Encore. Une. Soit les mains sur les hanches, soit on engage les bras. Si on engage les bras, on les maintient. On ne fait pas des petits mouvements de poulpe. On reste en tape. 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 C'est ici qu'on pré-fatigue le fessier. Vous devez sentir une tension s'effectuer ici. Au niveau du petit moyen fessier, ça s'active. On est prêt pour le refrain et dernière ligne droite. Fente. Deux tapes. Ça jusqu'à la fin. Allez tout le monde les amis. Dernière ligne droite de notre cours de pump. C'est maintenant sac joue. Encore 12 fois. Aïe aïe aïe. Je sens que ça grimace chez vous là. On va peut-être pas dû le dire. Hein. Fente. Deux tapes. Vous avez vu poids de corps, hein? Ça brûle quand même. Allez les amis, encore 8 fois. Ça passe très vite. Le dos bien droit ici, attention. Ne pas venir tendre la jambe. Même si on sait que ça permet de récupérer un peu, c'est pas bon. Fente et deux tapes. On garde. Allez les amis, jusqu'à la fin. On entend les bulles qui arrivent. Ça annonce la fin du morceau. Wouh! Encore une fois, fente, deux tapes et on relâche. Bravo les amis. On est bon, on va transpirer. C'est bon. Ça brûle, c'est que c'est bon. C'est une bonne chose de faire. On va relâcher un petit peu ici. Allez, relâchez les bras, inspirez par le nez. Simplement la respiration pour commencer. Relâchez. Ici, vous allez venir ouvrir avec moi. Prenez une grande inspiration. Montez vers le plafond.
Vous allez relâcher les bras. Enroulez-vous de la tête jusqu'aux hanches. Et relâchez. Relâchez un peu les lombaires. Balancez un petit peu les bras. Vous allez redresser tout doucement. Inspirez. Enroulez les épaules vers l'arrière. Une deuxième fois. Bloquez. Et relâchez. Bravo tout le monde. Bravo à tous. Merci de nous avoir suivis. Merci pour ceux qui regardent en replay. Vous pouvez commenter quand même, on regardera les petits commentaires. J'espère que ce cours vous aura plu. Merci Antoine. Merci à toi. D'être venu avec moi sur ce petit pump. Avec plaisir. On se retrouve demain. Demain à quoi? Pour de nouvelles aventures. Exactement. On vous dit à la prochaine. Attitude. C'est l'attitude demain. On se souvient d'un coup là. Demain attitude. Ok, 10h. On se retrouve demain. Salut tout le monde, passez une bonne soirée. Salut à tous. Ciao. Ciao.